Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui ce sera un petit retour de chez Stokomani et Nose à Romilly sur scène. Ouais, allez, à tout de suite. Allez, on est parti, il fait chaud. Stokomani, on n'avait pas été à celui de Romilly. C'est une ouverture, ouais, il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Il est bien rangé pour le moment, il est propre. Stokomani, ça va encore. Ouais, en général, ils sont bien rangés. Il n'est pas très grand. Si vous en voulez un grand, il faut aller à Chalon. Il est énorme. Après, je pense que vers 3, il doit en avoir aussi. Oui, aussi, il doit y avoir. Donc 3, Chalon et Coulommiers, il y en a un aussi. Il est plus grand que Coulommiers, j'avoue. Ouais, on vous dit les prix Stokomani en premier. Ouais, Stokomani, ouais, comme il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose. J'ai pris un porte-éponge, 3,49 par contre, le truc. Ouais, mais il a l'air solide. Bah, il est tombé. Ah, il y a des petits trous en dessous. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai vu qu'il y avait la rose et l'autre. Je suis pas fou. Donc voilà, donc il en fait rien. Ouais, c'est bien. Passe au lave-vaisselle, je suppose. Oh, j'éviterais de mettre au lave-vaisselle. Tu crois? Je sais pas. C'est pas marqué. Évitez de le mettre au lave-vaisselle. Bon, bah, on le lave à la main. Ouais. C'est pas marqué, hein. Ouais. Donc, c'est pas marqué, donc évitez de le mettre. Un petit paquet, oui, vraiment un petit, il n'y a pas beaucoup. C'est cher. En sac, 1,49€, je trouve que c'est abusé là. Avant, il y a 120 grammes, avant c'était moins cher, c'était même pas 1€. Mais que moi je n'en mange. Moi j'aime bien aussi, mais voilà, ouais, sans plus. Ça, c'est que moi. Les dents, elles n'aiment plus. T'as les fausses dents, c'est pas grave. Stokomani, toujours, madame, elle a trouvé ma fille du futur gamète, j'aurais pu la UPS, j'aurais celle-là même. Si, t'as l'autre aussi si tu veux, mais voilà, t'en as une. Celle-là, tu pourras mettre un peu plus de pâte. Ouais, bah, j'ai pas besoin d'une tonne, c'est pour dormir dans la voiture. C'est ça. Non, c'est pas mal, franchement. Donc voilà. Donc vous avez deux compartiments, une vers le bas et une vers le haut, et puis vous avez une surfette qui est fournie à l'intérieur. Fourchette. Assise. Je vais l'ouvrir, vous inquiétez pas. Il y a une ouverture. Il n'y a pas une ouverture, c'est. Il y a un truc à fraîcheur. Il y a tout fraîcheur, je pense. Avec les langues guillemettes, hein, tu clipses. Alors la fourchette. Je te garantis pas que tu vas manger longtemps avec ça, hein. Ça se tord de rire. Et puis c'est carré. C'est carré, va essayer de tenter des trucs avec ça. Tomate cerise. Ah, tu la gâte. Donc les deux compartiments, ce que je vous disais. Donc, voilà. Donc ça peut être bien pour mettre la viande à côté et la salade, la salade en dessous. Ou la salade en dessous et puis le restant de garniture pour mettre dedans. Voilà. À savoir que moi je mange beaucoup de salade. Et de cochonnerie le soir. Il ça, c'est la salade. Je compense. Quoi. T'es pas dans le bon sens. Emilia. T'es pas dans le bon sens. Emilia. Si. Non. Mais si. Mais non, regarde, il y a deux jours. Bah non, c'est bien ça. C'est de ce côté-là. C'est pas que tu dises pour remettre. Non, bah non, c'est toi qui me fais dire des conneries. Non, regarde, c'est pas bon. Tu vois bien, non? Mais si. Voilà, tu vas faire n'importe quoi, quoi. Psst. Alors, attends. Ça va au lave-vaisselle. Micro water, le lave-vaisselle. Ah bah même le micro-ondes. Ah bah magique. Si tu veux emmener à manger pour faire chauffer. Tu peux même mettre un iceberg dedans si tu veux avoir de la fraîcheur dedans. C'est pas mal. Et après on... J'ai pas dit le prix. Non. 4€. Non. Si, plus. J'ai marqué tout à l'heure. On a volé le prix. 4,59€ là, devant toi là. Regarde là, là, l'autre. Ah. 6,99€. Voilà. Vas-y. Ah si, c'est ce que là, c'est marqué dessus. Donc un beau t-shirt pour monsieur. Vous savez qu'ils font de la marque un petit peu là-bas. Ernest, Levi's, Levi Cooper. Il y a des Puma aussi. Plein de jogging Puma, si vous voulez, pour les enfants, pour la rentrée. Cheguini aussi. Il y avait un peu de tout. Il y avait le thé aussi. Nike, Adidas. Ouais, voilà. Les chaussures aussi. Donc nous, on a pris celui-là, Hermès. Oui, bonne zone. Donc voilà, gris avec du blanc. Et encore, il ne voulait pas. Il dit non, le blanc, j'en ai marre et tout. C'est pas une question que j'en ai marre, c'est qu'en général, le blanc, tu t'y attends pas. Tu arrives à faire une tache en doudou, tu t'y attends pas. Alors on a pris en XXL parce qu'ils sont vraiment serrés, je trouve, quand même. Hein. Le XL, ça fait une limite M, je trouvais. Ben, si tu remontes avant mon AVC, j'aurais pu le mettre. Même le XL, ouais, mais je trouve que le XL taille mal, hein, donc faites gaffe aux tailles. Et nous, on a pris XXL parce que voilà, il a pris même du avec les cachets, mais t'en as perdu quand même depuis. Hein. Oh, j'ai repris, enfin, ça se voit. Non, t'en as perdu. Non, ça, c'est la barbe. Je vais la laisser. Sa barbe. Je m'en fiche. Il y a ça encore. C'est ça aussi.
Mais ouais. Elle a pris un kit à la con, là, un kit pour sa teinture pour les fleux. Couleurs. Parce... Oui. Pas à la con, c'est pratique les peignes là, pour faire là. Là. Alors t'as une pince pour les fleux, t'as. Oui, pour écarter. T'as une brosse à huc et une brosse à cheveux. Mais non. C'est grave. 1, 2, 3, 4. Alors laver, traiter, modeler, voilà. Sublimer. Quelle pub. Oh, oh la vache. Donc on recache. T'as la pochette pour ranger ça dedans. Ah, c'est super. C'est marrant ça. Ah, ouais, c'est des pinces, d'accord. Je viens de te le dire. J'ai pas vu. Voilà. Parce que j'en avais un comme ça, là, tout petit comme ça. Et je sais pas où les passer. C'est vachement pratique pour faire en couleur, hein, les pinceaux, je vous le dis d'avance. Donc voilà, combien t'as payé ça? 2,79€. Donc ça va pas cher quand même. Hein. Voilà pour Stokomani. Ça quitte, tu fais une fois un passage. Oh merde, c'est bien. Ah bah non, quand même pas. Quand même pas. Je dis ça, je dis rien. On a pris des croissants chez nous. Alors, ils sont en train de décongeler, on va les laisser dehors. Des croissants au beurre pour demain. Il y a des pains au chocolat, non? Non, c'est des croissants. T'es sûr? Parce qu'il y a des trucs bizarres là-dedans. Je sais pas, ils sont peut-être. Il y a marqué au beurre. Donc, c'est 4,50€ et il y en a 12 dedans. Ouais. Elle a acheté ça, vous savez pourquoi? Je lui ai acheté la Airfryer à 2 bacs. Et ben, à mon avis, demain matin, elle va se faire ça. Ah non, t'as pas à les faire avant parce qu'il faut longtemps pour les faire cuire. Oui, il faut les laisser gonfler. J'ai regardé la notice. Il y avait des pains au chocolat praliné, enfin il y avait plein de parfums, il y avait des pains au chocolat aussi, mais on avait, j'ai pris cela au beurre, tout simple pour tester. Les... Donc ce que tu m'as mis, c'est fini, c'est nous. C'est nous. À nous, j'ai pris des petites boulettes parce que la petite tigresse, elle adore les petites boulettes. Donc j'ai pris. Qu'elle descend sur les canapés, c'est génial. Ouais, donc j'en ai pris plein. Non, c'est pour le craft, non, je les ai pris pour tigresse. Donc avec des petites ficelles et sans ficelles. Donc on va en sortir deux ou trois. Si les chiens ne mangent pas. Ouais, si Alexis ne joue pas avec. Donc ça c'est 0,79€, il y a de quoi faire pour l'année, même si elle est mise en dessous du canapé. Parce que vous savez les petites boules que j'avais accrochées à mon rideau pour Noël, elle m'en avait pris une ou deux comme ça et elles sont un peu comme ça. Il y en a une qui est très mal à son. Oui, il y en a encore une. Alors Alexis est tombé là-dessus. Donc, il met ça dans quelle catégorie peinture? Outils, ouais. Ouais, outils. Donc ça... Peut-être ouvrir les pots de peinture, oui. Ouais, peut-être ouvrir les pots de peinture, j'en sais. Moi, je le verrais plus en utilité pour la voiture. Vous savez, des clips en plastique qui a fait retirer de vos garde-boue, de votre pare-choc. Non, il y en a plein qui sont comme ça, justement. Il y a même des petits pieds de biche ou autre. Enfin, on verra bien. Donc ça, ça coûte 2 euros tout rond. Parce qu'il a fallu qu'elle aille direction. C'est celle-ci, il l'a trouvé je ne sais où. Donc du coup, la question, elle a demandé à quelqu'un qui allait directement sur l'ordinateur pour vérifier avec la marque du bordel. On ne savait pas comment ça marchait, leur truc. Avec la marque du bordel, blablabla, voilà, je vais la faire dormir un peu, ça change. La pistache qui est en chaleur, merci. Et du coup, donc, je parlais avec la question, je lui dis, à mon avis, elle est en train de faire un choix, 1, 2, 3 euros. Ça ne va pas nous payer 2 euros. Voilà. Fini. Fini. On a repris un pistache, un puzzle 3D. Parce qu'on est sadique. Vous avez dit, non. Voilà, des petits dauphins en relief. En relief. Donc, le plan de David a été en bas, il a fait la prise de courant pour le plan de travail. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, je crois pas. Et du coup, il a retrouvé un poste 3D. On l'a mis dans les chiottes parce que c'est typique. Il est fini, hein, je vous rassure, parce que c'est pas resté dans l'emballage. C'est typique océan, la salle de bain, donc bord de mer, océan. Donc, on l'a mis, c'est des poissons dessus. Et il était super chiant à faire. Quand tu chies, bah, tu fais des mines, c'est dans l'eau. Il était trop dur à faire et du coup, on est sadique, on en a pris un autre. Mais c'est pas la même composition, je pense. Mais bon, on verra bien. Combien il y a ? 500 plus. Il y a 48 puzzles. Oh, ça va, il est tout petit, celui-là, 48 puzzles. Oh, ça va vite fait. L'autre, il y avait 500, mais en 500, on a mis une journée et demie. Ben, il s'est tué. Donc voilà, 3D, 2,99€ pour 48 puzzles. Voilà. Oh, ça doit être des gros morceaux, alors. Ouais, je pense aussi. Donc on testera. Il faut qu'on mette des lumières pour voir si on voit mieux les regards. Des madeleines, il y avait au chocolat et nature, je crois. Là, c'est noix de coco. Non, l'autre, c'était chocolat noir. Là, j'ai pris noix de coco pour tester. 3,29€. Ça, c'est une bonne marque aussi. Hein. La maison de Colibri. Donc voilà. On va tester, on verra bien ce que ça donne. j'ai acheté ça. Alors, c'est pas pour les plantes, hein, moi, c'est pour autre chose. J'ai une autre utilité pour ça. Il y a un truc qui se tout seul là, maman. Là, là. Ça va être pris avant parce qu'on verra pas. Ah, 2,99€. 3,99€. 3,99€. Capacité, je ne sais pas du tout. Oh, il coûte la belle 2023. 3 litres. 3 litres. Je ne sais pas ce qu'il vaut, ça ne vaut pas celui de. Ah, il est juste en ferraille quand même.
Bon, il y a une mise en fer. Donc en fait, c'est pour faire mousser. Vous voyez, quand on nettoie les voitures et tout le machin, je voulais tester. C'est mousser la voiture. Et pour nettoyer l'intérieur et tout le bordel. Je pensais que c'était plus pour arroser les tuiles. Non. Pour mettre l'hydrofuge. Non, ça c'est avec l'autre. Ça c'est pas pareil. D'accord. Je ne le mettrai pas pour ça. Et moi je voulais tester justement pour. Pour les plantes aussi, vous pouvez hein, pour mettre des produits. Alors, par contre, la poignée, faites gaffe. C'est, ça, 3 litres, à mon avis, ça va bien plier, ça risque de péter. Donc faites très attention. 3,99€, méfiance et merde de sûreté, là, je pense. Oh, j'ai pas vu. Ah, stop. Ah oui, t'es obligé de le faire pour. Hop là. Pomper, là. Donc tu pompes, t'envoies de l'air au maximum. Arrêté, hein. Là. Voilà. Il fonctionne. Oh, c'est bizarre, oui. Donc, capacité de 3 litres. Vous mettez votre produit, vous mettez votre eau tiède, c'est mieux. Et puis, vous décapez un peu votre bagnole. Avec ce pour tout ce que vous voulez, les produits pour la maison, pour les... Surtout, entre chaque produit, n'oubliez pas de bien nettoyer. Longueur 50 cm. Non, tu rigoles. 5 cm. Diamètre 2,7. Pour 80,99€, et là-dedans vous avez 1 kg. Parce que maintenant, le poids, c'est au poids. Donc, ça vaut le coup, c'est pas cher. La mayonnaise. Alors franchement, celle-là, tu t'avances pas, moi j'y peux rien. Hein. Mayonnaise, moutarde. J'ai goûté. Franchement, super, c'est une tuerie. On dirait une mayonnaise maison. Ah, c'est une tuerie, en fait. Ouais. Une pointe de moutarde à l'ancienne, qualité traiteur. Franchement, pas cher. Je vous la conseille, franchement, elle est bonne. Donc 1,49€, par contre. Ouais. Donc, clair, ça va. Nous, on l'avait acheté il y a un petit moment, elle n'a même pas bougé. Ouais. Alexis, c'est pris ça, Monsieur Peabody et Sherman. C'est pas mal comme petit dessin animé. 1,99€, c'est un DVD. Donc voilà, vous connaissez un petit peu la série, ils remontent dans le temps et ils vivent des aventures historiques. Voilà. Et bah, pour finir, on s'est pris un petit tapis pour mettre sous le clavier. Bon, ça, c'est pratique. Hop, il est trop beau. Hein ? Oui ? D'accord, regardez. Il va y avoir toutes les lunettes qui vont se placer là-dessus, il va y avoir plein de poils, il a même la souris. Ah, par contre, ça ne s'allume pas, c'est dommage. Mais bon, voilà. C'était combien ce truc ? 4,99€. 4 balles, cette merde, 5 balles quoi. Ouais, c'est cher ces trucs-là. Il y en a Action aussi, si vous voulez. Il est bien le mien, il est lumineux. Mais non, ça c'est pour mettre en dessous le clavier. Mais ça va prendre toute la place. Mais non, ça va prendre la place de là, t'as le clavier je, là. Quand je vais faire mes clubs, je vais laisser tout le tabac dessus. Un peu t'emmerder. C'est bien. Quand tu fais du DP, ouais, c'est bien. C'est pas mal. Juste pour ça. Et fais gaffe, c'est mouillé en dessous. Donc ouais. S'il est trempé, il y a un franchement, peinture. Il est trop beau. Donc, ouais. Il y en avait d'autres. Hein, il y avait d'autres dessins, il y avait des coloris difficiles bizarres et d'autres dessins. Donc, à vous de voir. Après, moi, nous, on aime bien. On va tester. Voilà. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout petit. Hein, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et puis d'activer la cloche une fois que vous avez vous êtes abonné. Surtout, n'oubliez pas la cloche. De vous abonner, c'est gratuit. Ça nous motive pour faire d'autres vidéos, comme vous a déjà dit. Mais vous n'êtes pas 10 000. Pas. C'est pas normal. Et 10 000, là, bien sûr, le concours, comme d'habitude. C'est pas normal, le 10 000. Ça arrive. On est 9 700. C'est pas mal, avant 9 760, je crois. Non, 80, j'avais vu. Avant Noël, ça serait pas mal quand même. Même avoir Halloween dans 2 mois. Ouais. Ça serait pas mal, un petit concours ouais, avec Halloween. Ça serait top. Motivez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui nous regardent uniquement. Alors, si vous n'êtes pas motivé pour vos abonnés, bah, nous alors. Vous nous démotivez. Parce qu'on fait des vidéos quand même pour vous aussi. Hein, donc, pour nous, parce qu'on aime bien. Mais pour vous aussi, pour vous faire plaisir aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour nous encourager à continuer. Il y a beaucoup de gens qui nous disent n'arrêtez pas là. On va pas arrêter de toute façon. Le jour qu'on arrêtera, c'est parce qu'on en aura marre. Oh, on sera en retraite. Ça veut rien dire. Et si on arrête, on sera sous pied sous terre, peut-être. Oui. Peut-être ça aussi. Imagine mort avec ton clavier. À faire YouTube avec, jusqu'à quel âge, j'en sais rien. On verra bien. Ça ouais, sera une surprise. Pas dans le FAQ. On aura peut-être fait les 100 000 abonnés avant d'arrêter. Oh là. On vise les 100 000, mais bon, on est loin. On a un projet en tête en ce moment, je vous en dis pas plus. Je vous ai juste mis une petite puce à l'oreille là. Dans les futurs, c'est pour ça qu'il faut vous abonner pour que ça sache plus tard quand ça viendra. Dès que ça arrive, il va y avoir un projet trop bien. C'est ce qu'on souhaite depuis déjà pas mal de temps. Mais là, on se motive de plus en plus. Donc on ne dit pas plus, vous verrez bien. Allez. Allez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et puis invitez vos amis à nous regarder. Après, s'ils aiment, tant mieux, s'ils n'aiment pas, c'est pas grave. S'en fout, ils ont vu. Merci. Allez, gros bisous, bonne soirée.